Et donc nous voilà repartis juste devant le truc. Vous ne foulerez pas la route. J'ai passé le test de connaissance et gagné la bénédiction de Loïc. Ah, je vois que vous avez passé le test. J'en déduis donc que vous devez faire route pour aller surmonter votre véritable épreuve. Félicitations, jeune recrue. C'est avec plaisir que je vous cède le passage. Pas oublier de respirer quand tu lis. Soyez sur vos gardes cependant, car des créatures vicieuses rôdent sur les sables. Trouvez le crâne de pierre, mais ne vous aventurez pas plus loin, à moins que vous souhaitiez affronter des ennemis plus grands que ceux qui hantent les vos pires cauchemars. Pensez que je suis assez fort. Il n'y a aucun mal à se préparer consciencieusement à l'épreuve de la déesse. Mon futur ami, écoutez mes paroles, vous feriez mieux de tester votre force lors de combats moins ardus avant de faire face à ce qui vous attend au-delà de ce point. Allez, on y va! Genre, j'en ai quelque chose à foutre de ce que tu penses. Je vous égorge tout si l'envie m'en prend. Vous avez de la chance qu'on doit vous infiltrer et qu'on soit pas autorisé à tous vous tuer. Ça aurait été marrant. Ouais. Ça aurait été animé plutôt que de nous voir marcher juste tout le long du chemin. Ah non, c'est vrai, je peux pas le voler. Ah, il parle. Ouais, on s'en fout. On y va. Oh, une cachette. Un terrier de lapin. Putain, le mec, il a réussi à voler une clé morte quand même, le lapin. Quoi. Oh, c'est un gros lapin. Un cadavre de troll, même. Oh, mieux vaut payer que d'être transformé en dîner. Mais ça va, c'est pas, oui. C'est pas moi. Mieux. Mec, il s'est plaint parce qu'il a dû dépenser 250 de pièces d'or pour être bien avec une femme. Oh, c'est pas la peine de me troll. Car Draxerxan. Niveau 15. On est niveau combien, nous? 12. On est 12, je crois. Hors de mon chemin, vermine humaine. Votre puanteur me décape les sinus. Il a des sous. Il a plein de sous et plein d'items. Je laisse lui parler, j'ai vu un coffre. Salopard. Oh. Need. Je sais pas ce que c'est, mais Need quand même. Ok, je vais te l'envoyer, tu vas voir, c'est top. Ouais, en fait, il a rien de très intéressant. Je te donne mon cœur fougueux. Ah, y a-t-il un moyen d'éviter la tempête? Hé, ça alors, notre foudre de guerre craint le vent et la poussière. Eh bien, j'ai le plaisir de vous annoncer que votre seule option consiste à traverser cette tempête. Et je ne connais que peu d'étrangers qui aient survécu à cela. Si j'étais vous, t'as de Kwan, j'éviterais de me faire un ennemi de Kadarzgz. À moins que vous ne teniez à affronter les légions de créatures à 8 pattes qui n'attendent que mon ordre. Créatures à 8 pattes, c'est les araignées, ça. Il y a des chances. Si les meilleures fournitures gobelins de Rivellon ne vous intéressent pas, autant que nos routes se séparent de façon à ce que votre puanteur cesse de m'incomber. Parle à la bestiole, peut-être elle a quelque chose à dire. Il y a donc des araignées dans la région. Ici, Statwell, ce territoire. Et le leur, exception faite du village gobelin, bien sûr. Les notes savent quoi faire avec la reine araignée, une information qui vaut son pesant d'or. Par ici, vous comprendrez vite pourquoi. Cependant, je suppose qu'une bourse pleine d'or, pleine de 1300 pièces, pourrait me mettre en de bonnes dispositions. Qu'est-ce qu'il dit, la bestiole? J'attendais parce qu'il est marrant. Ah. Des trucs. Vas-y, alors j'arrête de... reste là. Alors il pousse un cri perçant. Bonté divine, vous savez parler. Oh, par tous les dieux. Je sais pas pourquoi je pensais de vous. Oh, par tous les dieux. Ralphie, si ce n'est pas ton jour de chance. Camarade, vous devez m'aider. Oh, bonté divine, pauvre de moi, je vous en supplie. Le gobelin qui se trouve à mes côtés, mon prétendu maître, c'est un barbare impitoyable. C'est peut-être ma seule chance d'appeler quelqu'un à l'aide, alors je me lance. Camarade, si vous avez pour dessous de mansuétude, vous devez tuer ce gobelin, je vous en prie, libérez-moi.
Et si vous m'aidez, je vous donnerai un coup de main. Je sais tout des gobelins de Lucula et je connais leur plus gros point faible. Un secret que je serai enchanté de partager avec vous. Une fois que vous m'aurez libéré des griffes de ce gobelin, je vous en supplie, tuez cette brute. Okay, alors j'ai le choix entre l'aider ou pas, je sais pas trop. Il avait des trucs à acheter ou... Non, il y a pas grand chose. Enfin, il y a pas mal d'items, mais il y a rien de vraiment intéressant, quoi. Ok. Au mieux, il y a un peu de bleu, mais c'est non, c'est pas. La vermine, ce serait pour moi un honneur de vous libérer de la tyrannie de ce gobelin. Mille merci, camarade. Commencez donc par lui crever les yeux. Voilà. Mais il est gentil, lui. Comment on lui crève les yeux? Avec une flèche. Ouais, mais t'as l'option crever les yeux avec tes flèches, toi. Non. Bon, que du coup, on va pas le payer, on va... On va l'amadouer, voilà. Si vous acceptez de partager le secret, vous serez... je serais peut-être amené à dépenser plus, mais ça a pas marché. Papier. Compte ciseaux, j'ai perdu, ok. Ciseaux. Compte pierre, j'ai encore perdu. La compte Taras, la maudite. Papier. Compte pierre, oh je gagne 4 points, oh waouh. Pierre, compte papier, j'ai perdu 3, on en est à 9 à 4. Ciseaux, contre pierre, j'ai perdu. Ça n'a pas marché. Bon bah écoute, on va l'éventrer. Ça me va. Faudrait que j'arrive à le choper de dos en fait. Non mais... Hey, hey. Ok, je l'ai pas mis très très cher. Mais au moins on est sorti de la zone qui faisait chier. Ouais. C'est toujours ça. Ouais. Heck. Oh là. Heck. Haha. Non, on va fufu. On va la jouer... On va la jouer trouilleux un petit peu, on va fufu. Si t'as un sort qu'aveugle, bah super quoi, le mec il est gentil, il l'a envoyé à 20 bornes de là où j'étais. C'est une blague. Il va revenir. Bah non, il a un grand arc lui aussi. Ah oui. Oh, j'aime bien la peau de bête que t'as dans le dos. Putain, mais il perd pas beaucoup de PV en fait. Il a quoi? Oh, il a que 1500 PV, ça va. Ah ah. Bah ouais, mais bon, évidemment. Essaye de pas le re-TP. Comment t'as su que je voulais le TP? Oh! Ah, tu lui as mis un bon 400 là! Bon alors crevez-lui les yeux, je crois que j'ai un sort qui inflige aveuglement. Non, ça c'est coup de froid. Ça c'est étourdissement. Merde, c'est quoi que j'avais qui inflige aveuglement? Ah, je l'ai peut-être pas pris, remarque. Merde. Peut-être pas, ouais. C'est pression extrême. A priori, je l'ai pas. Sérieux? Oh le débile. Ok, dans ce cas-là, on va mettre. On va mettre un serment de profanation sur la petite métavoxette derrière lui. Plus une faiblesse sur sa gueule à lui. Ah non, il veut pas. Bon, bah, faiblesse de masse, écoute, je m'emmerde. Voilà. Faiblesse a échoué, ok. Et on va se rendre intangible. On n'a pas envie de prendre une flèche dans le cul. Nice. Oh, tu le soignes. Oh, c'est pas bon ça. C'est quoi qu'il a soigné? Je sais pas. Peut-être un dégât de... Bah, de feu ou un truc comme ça. Bip.
Ah, il a une grande potion de soin sur la tronche. Ça doit être ça. Joli. Oh yeah! Tiens, tiens! Tiens, tiens! Allez, je le soigne en fait à chaque fois. Bah, c'est tout. Est-ce que réparer mon épée c'est possible? Ah non, pas possible. Peut-être pas trop demander non plus. On est où? Merde, durabilité, durabilité, ouais. Une flèche a manqué. Eh ben bravo. Eh ben bien. Une saignée, tiens. Après on va lui mettre un éclair. Non, peut-être pas un éclair. Non, peut-être pas ça. On va lui mettre un éclair. Ok, je viens de le soigner de 60. Tu l'as tapé de 40 et tu soignes de 60, c'est bien. Ok. Il faut pas taper à l'éclair. Je vais tester un nouveau sort. Ouais. Rafale, c'est trop bien comme attaque. J'ai pas bien vu la rafale. J'imagine faut attendre qu'il y ait plein de mobs autour. Quoi. Non, c'est juste que t'as raté 4 fois. Ok. Qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Mais arrête-toi! Oh, PD! Bon, et ben. Une prochaine fois, putain, j'avais les dommages boostés et tout, donc le con il m'étourdit. Ça se fait pas! Alors. Donc, a priori, je peux pas lui mettre de dégâts physiques. De magique. A priori. C'est un peu emmerdant parce que je n'ai que ça! C'est peut-être juste la foudre qui le. Bah, ça me paraît bizarre vu qu'avec la dague je l'ai soigné aussi et que toi avec Mado tu l'as soigné aussi. Mais bon, ouais, c'est peut-être. On va essayer, écoute. Testons ça! Ok! C'est fait soigner! Ok! Aveuglement, mutisme, maladie, infection, hémorragie et handicap. Ouais, rien de ce que j'ai, quoi, en fait. Moi, je suis juste pétrifié. Eh bien, attendons. Je te laisse faire ton tour de jeu, je me resserre à boire en même temps, vu que j'ai pas grand chose à faire. Ok. Je t'explique peut-être pourquoi tu m'entends de façon alternée. Parce que vu que je tourne la tête pour vérifier que je récupère bien la bouteille, eh ben il est pas impossible que le micro m'entende de façon étrange. J'ai encore manqué la cible. Ah non mais t'es miro hein. Encore manqué? Ouah mais c'est pas sérieux. Tu vas le soigner? Ouais. Doucement, douce. Tu avais pas fait des chaussures anti-glisse? Bah peut-être pas lui. Bah non, je te les ai envoyées pour que tu me les fasses et tu me les as pas rendues. Ou alors si tu me les as rendues, je les ai pas équipées. Ouais, je pense que c'est la dernière option plutôt. Ballot. Ouais, bah je me suis bien niqué la gueule à mettre des glaçons derrière lui, moi. Ok, donc je peux pas lui sauter dessus. Ah, énucléation, ils avaient pas dit crever lui les yeux. Ouais. Tiens. Ah bah oui. Bah écoute. Tu te moques de mes flèches, mais. Bah ouais. Mais bon, on l'a quasiment défoncé, hein. Il n'y a plus qu'à attendre qu'il y en ait un de nous qui arrive à toucher. Donc pas moi. Ça peut être long quoi. Si c'est comme le RP qu'on avait fait le 31. On en a pour 6 mois. Oui. Ah, je pensais que j'infligeais des dégâts.
Ok. Visiblement non. Et mon sort qui fait 400 de dégâts est presque rechargé. Oh ouais, touché! Il a quasiment plus de vie! Quasiment plus, mais s'il pouvait avoir la bonne idée de pas me tuer, ça aurait été bien. Alors, mon bon Jean ramasse tout ce qui est coloré. Moi, il y a la bestiole qui me reparle. Vous avez réussi, vous êtes un parangon de vertu, d'héroïsme et de passion. Vous m'avez épargné 1000 coups de fouet et pour vous remercier, j'irai chanter vos louanges. Non, j'irai. Je sais plus quelle voix j'avais prise en fait. Pas celle-là, c'était un peu plus grave. C'était un peu plus débile et un peu plus grave à la fois. Non, j'irai les crier sur les toits. Et pourquoi? Parce que je suis Woolock libre. D'accord. Camarade, personne ne mérite plus que vous ces précieuses informations. Je vais donc vous révéler le point faible des gobelins, le moyen de les rouler dans la farine. Les gobelins sont ingénieux et plus rusés, mais en termes de croyances, chez eux ça ne vole pas bien haut. Ils sont prêts à se plier aux quatre volontés du totem qui se trouve au milieu de leur village. Ils leur demandent de danser jusqu'à l'évanouissement ou de se jeter d'une falaise. On dit que ce totem est possédé par un démon puissant, mais j'ai déjà vu le chaman du village s'introduire en toute discrétion dans une petite grotte située aux abords du village. Et peu de temps après, le totem s'est mis à parler de sa petite voix sifflante. D'accord. Quiconque trouve le moyen d'entrer dans cette grotte peut contrôler le village, camarade. Pour ma part, je vais aller m'installer ailleurs, au nord de la forêt spectrale. J'y serai à l'abri des malades du fouet et autres esclavagistes. Bon, qu'est-ce que tu me veux? Un autre innocent est tombé? Mais non, il n'était pas innocent. Il y a des choses bizarres. Ah parfois. Mais sérieux, en plus, on est triste de l'avoir tué, quoi. Innocent, ha! Considère ce tir comme un tir d'entraînement. Il n'y a plus un seul vrai innocent dans tout Rivellon. Exact, c'est temps extrêmement dangereux, tous les civils sont coupables jusqu'à preuve du contraire. Comme j'aime à le dire, tous les coups sont permis. Oh, on insensible. Est insensible. Ça fait quoi, insensible? C'est 100 cœurs. 100 cœurs, vous avez 20%. Ah, des chances de toucher plus 20% avec les attaques sournoises. Je te laisse récupérer les petites saloperies qui traînaient derrière. Ouais. Hein. Oh, le mec, il est allé dépouiller le coffre à l'autre bout pendant que j'étais en discussion. Je t'ai tout envoyé. T'as deux items à identifier et puis le cœur, l'espèce de cœur étrange. Ah, les items à identifier pour les envoyer à Jean. Ah, oups. Puis le cœur fougueux, c'est pas comme si j'allais croquer dedans, hein. Je m'appelle pas Daenerys, moi. Oh. Alors attends, il paraît qu'on m'a renvoyé. Ah oui, immunisé à la glisse, c'est dommage. J'ai un joli casque là, tiens, je sais pas si. En avoir l'usage. Ah ouais. Ouais, ça me fait chuter ma perception, mais sinon. Bah ouais, c'est pour ça que je l'ai pas pris non plus. Oh là ouais. Oh là là. Oh là là, qu'est-ce que c'est ça? Œuf d'araignée. On peut taper dessus et le casser avant qu'il pop. De toute évidence, non. Ok. Oh putain. Oh putain. Comment ça 4 points d'action? D'où 4 points d'action? Ouais, j'ai pas beaucoup de points d'action non plus. C'est un peu au level dans le coin en fait. Alors non seulement c'est au level, mais en plus on est lent à cause de la tempête. On aurait peut-être pas dû aller se faire immaculer en premier lieu. Jaron, il peut pas jeter de sort. Piou! Oh là là! Oh, ça va être. Oh putain, les combats ici vont être infâmes en fait. Puis en dessous, t'as des araignées qui ont l'air énormes. Niveau 14 aussi.
Voilà, ça c'est ma rafale à moi. Oh, là j'ai de quoi jeter des sorts. Ma merde. Boule de glace. Parfum vanille. Quoi, je vais les soigner? Ah non. Quand même. Faut les connaître. Ado, elle peut pas frapper, c'est bien. Ça rapporte plein d'XP par contre. Ouais. On risque de galérer, mais je crois qu'on va rester là quand même. Ouais, ça me va. Je trouve ça marrant. What's that? Pourquoi est-ce que tu crois qu'il y a des ennemis cachés pas loin? Qu'est-ce que t'as trouvé? Je sais pas. On met une sauvegarde au cas où? Peut-être. Ah, il y a des gens en bas qui papotent. Ah! Ah oui. Mais ils sont bien loin. Ouais. Allez, on s'en fout, on avance. Est-ce qu'on rentre dans la grotte? Ma foi, j'aurais envie de te répondre et pourquoi pas. Ouais, ça a une sale tronche, mais ça peut être marrant. Rentrer. Ouais. Inquiétant, ta reine aux épreuves. Ah ben, je crois que c'est là qu'il fallait aller. Oh. Ah, c'est pas là où il y avait des énigmes à la con. Statue d'épreuve. Bienvenue dans le corridor du fléau. Ici débute le prélude à la purification. Avancez et sachez accepter ce qui vient à vous. Ok? J'espère que ce sera des pièces d'or. Ouais. J'ai trouvé un fromage. Bah accepte-le. Chope le rat, chope le rat. A l'aide, je suis perdu, je tentais de rejoindre le village caché des Immaculés, c'est bien par là. Ok, enflammer la porte. Ouais. Bah elle a pas voulu s'ouvrir et elle a pas voulu se laisser crocheter, alors j'ai essayé à coup de dague hein. Et comme tu peux voir, je lui ai mis d'énormes dégâts. Alors j'ai arrêté. Bon bah je pense qu'il va pas y avoir grand chose. Arrête de parler à Jaon, arrête de te perturber. J'ai approché du vase sur lequel j'ai cliqué. Oh là, ça a l'air vert par ici. Ah ouais. Ah vous appelez ça noir? Ah ouais. Oh attends, le journal mis à jour. Mais non. Cool, bon, on a tous la nécrose. Oh merde. Première épreuve consistait à se faire infecter par la nécrose. Nous devons nous dépêcher de terminer toutes les épreuves ou nous mourrons. Ok. Oh putain, une mine. Bienvenue dans la chambre des fardeaux. Seuls ceux qui savent que connaissance rime avec équilibre verront les murs de l'ignorance disparaître devant eux.
Elle me fait peur, Mado. Ouais. J'ai cru que j'allais, que j'étais en train de désamorcer une mine, qu'elle allait me faire péter à la gueule. Bon, la bonne nouvelle, c'est que... Oh, putain. La bonne nouvelle, c'est que s'ils nous ont infectés eux-mêmes, il y a des chances qu'on soit soigné à la fin de la salle. Ah ah! J'ai fait clic! De quoi? Ah oui. Ah, clic. Ok. Bon, plusieurs dalles et plusieurs vases. On se doute bien qu'à un moment ou un autre... Ça a pas fait clic. Ça a pas fait clic. Veuillez vous pousser de devant, jeune homme. Ça a pas fait clic. Apparemment, c'est pas ce genre de vase. Non ? Gérant, il vient de prendre un vase à travers la tronche. NP. Bon bah apparemment c'est pas eux. Aïe. Je crois que c'est un vase particulier qu'on doit mettre dessus. Bah je dirais un certain poids, ouais. Ça fait pas clic. Peut-être autre chose, mais toujours en fonction d'un poids. À moins que... Attends. Vérifier. Parfait, Mumuse, hein, claque pas. Cherche et trouve les bonnes solutions. Je crois qu'il y a un ordre d'activation. Mais, ok, donc c'est pas. Apparemment, ça serait un. Comment ? Ouais, apparemment, tous les vases en bas à gauche font clic. Ah. C'est peut-être différents items. En même temps, ça c'est hyper gros quoi qu'il faut mettre là. Genre deux vases ou trois l'un sur l'autre. Tant bon, on parlait d'équilibre hein. T'as pas un rat? Oh, tonneau lourd. Oh, tiens donc. Ce tonneau porte l'emblème des Immaculés. Ouais. Ça sent que ça faut se poser, ça doit se poser quelque part. Je sais pas pourquoi. Je la sens. Heureuse trouvaille. Ah, moi j'ai trouvé un item qui a l'air d'être un item de quête. Bouteille de boue tourbillonnante. Une bouteille magique remplie de boue, elle contient de la terre et de l'eau. Ah non, quoique. C'est un truc unique. Peut-être à placer sur un truc. Tonneau. Clic. On en a deux. Ah regarde. Je sais pas si t'as vu au-dessus là à gauche. T'as les portails qui disparaissent quand ça clique. Ah ok. Donc essaye une de tes bouteilles d'eau sur un des trucs. Bible des Immaculés. Avertissement. Qu'est-ce que ça dit? Non, ça fait pas clic. Tu ne sortiras jamais de ce donjon en vie. Merci. Et peut-être sur l'autre, non? Vu qu'on en a deux. Un truc. Vu
Il y en a deux qu'on peut encore cliquer. Un livre parle d'un temps où le damné renversa l'élu divin et où le chaos vaincra enfin la loi et l'ordre. On ne sait pas si l'auteur souhaite vraiment que cela arrive ou si elle pense simplement. Ou si elle le pense simplement. Oh, 30 minutes, va falloir que j'arrête. Mais cela ressemble beaucoup à une prophétie. D'accord. Bon, et la Bible des Immaculés, normalement, on l'a déjà lu. Ok. Bon, ben, petite coupure et on revient de suite. À de suite.